6 jeunes civils découvrent le métier de soldat au 4e régiment de chasseurs de Gap. Ce stage est leur mode immersion. À l'armée, lorsque l'on perd du temps, c'est à ses dépens. À cause de leur retard, nos 6 stagiaires n'auront pas le luxe de chauffer leur ration. C'est pareil, vous avez des barres énergétiques. Bah, au lieu de les manger maintenant, vous les mettez dans votre poche et pendant la marche, eh ben, vous mangez de temps en temps une petite barre énergétique. On n'a pas le temps de faire de feu. Quoi ça? Ça, tu vas manger maintenant. Waouh, ça aurait été mieux réchauffé, mais c'est pas grave. Non, pas toi. Vraiment, hein? Ça quoi? Des bonnes pâtes au saumon. Oh putain, ça m'a l'air bien dégueulasse. C'est froid, c'est dégueulasse. C'est dans la tête tout ça. C'est bon alors? Tu vas l'ouvrir, tu vas poser ton carton, tu vas jeter, il y a un bout de carton qui va tomber. D'une, tu pollues. Et deux, bah, tu vas être repérable. Pourquoi? Parce que le mec qui va passer, qui va voir un bout de carton de biscuit, tout frais, c'est-à-dire que quelqu'un est passé. D'accord. Mais comme toute activité, le repas à l'armée doit observer des règles. Notamment sur le terrain, la discrétion est de rigueur. De toute façon, la pâte est pour chien, s'il vous plaît. Là, j'ai mangé parce qu'il fallait manger. Si on n'avait pas le temps de manger, j'aurais pas mangé.